Bonjour chers amis et chers téléspectateurs, c'est AroWestWar qui vous parle et nous sommes actuellement sur Star Wars Battlefront pour continuer notre campagne que nous avions entamée dans le premier épisode et là nous attaquons Coruscant à l'attaque. Donc j'imagine que ça va être une bataille spatiale. Chers amis, désolé j'ai eu un petit bug donc je vous ai passé la cinématique, autrement ça marchait pas. Je passe ça, et oui, effectivement, nous sommes dans la galaxie Insertion, c'est parti. Préparez vos vaisseaux au combat. À tous les pilotes, je suis un pilote, c'est tellement métal. Je vais rentrer dans le vaisseau. Alors, pour rentrer dans les vaisseaux, vous vous approchez, vous appuyez sur E. Et on décolle, par contre, on va baisser le volume, parce que ça explose mes tympans. Et voilà. Les dialogues, je vous les entends. Voix bataille, on va baisser un petit peu. Accepter. Reprendre la partie. C'est parti, donc vous appuyez sur espace pour décoller. C'est parti, mon kiki. Oui, chef. Ils sont où? Les mecs, vous êtes où? Là. Je vais tous vous détruire, sale tas de ferraille. T'es où, Kéké? Ça tourne. Alors, normalement, j'ai mis une vidéo aujourd'hui en ligne où je joue avec notre très cher ami Pierce Selven à Smoking Guns, comme à mon habitude. Il vient le fumier. Alors, je l'ai verrouillé. Voilà, ok. Je l'ai verrouillé en appuyant sur A, en le visant. Et donc, ça le verrouille et je le poursuis. Et je l'ai eu, yeah, métal. À ton tour. Tu vas apprendre la colère de Arès, dieu du combat. Viens là, viens là. Je veux te tuer. Je veux te tuer. Boum, j'ai pété. Alors, je me suis fait descendre. On y retourne. Ouais d'accord, c'est pas un exercice, on s'en fout. Allez c'est parti mon kiki, en arc 170 et on décolle et c'est reparti. Et moi il m'a pété à la gueule. T'es où? Ah il est là. Alors apparemment la première vidéo sur Star Wars Battlefront a plu à pas mal de personnes vu que j'ai eu 13 vues. Après ça veut peut-être rien dire, peut-être que ça vous a pas plu. Mais vu qu'elle a été vue en Corée du Sud, je me dis que voilà. D'accord. Toi t'es mort. Boum. Hop là. Faut que je fasse quoi? J'ai pas compris. Faut que je bise le gros truc? Oui j'ai mon petit frère à côté de moi donc voilà. AroWestWar est dans la place. Et quand AroWest est là, ça rigole pas. Il a tout pété. Alors, il faut détruire les boucliers. Alors, on suit la petite flèche jaune à gauche. Bah, c'est toujours celui-là. Ah non, c'est celui-là. Pourquoi tu t'esquives à chaque fois que j'essaye de te tuer, toi? T'as pas envie de te faire tuer? Même par moi? Hein? Ouais, donc je disais tout à... Je me disais que je devais vous dire que j'avais changé de logiciel de montage. Ok, d'accord. Ah, donc c'est ça, l'antenne de communication. Ah, j'ai tout pété, voilà. Je me disais donc qu'il fallait que je vous dise que j'avais changé de logiciel de montage et que donc j'étais passé sur Vegas Sony Pro 9 et que donc du coup les vidéos allaient être de meilleure qualité vu que pour le moment elles n'étaient pas d'une qualité énorme vu que maintenant je peux les mettre en HD. Donc vous allez pouvoir entendre mes galures en direct en HD. Ah ouais, je dois rentrer dans le truc. Hop, faut que j'aille là-bas. Hop. Alors, Guidéné, on rentre pour atterrir, je crois que...
boum, j'ai tout pété. Alors, je me suis en quelque sorte suicidé. Alors, en fait, je prends le fusilier clone. Donc, oui, c'est un fusilier clone. Parce qu'en fait, comme je dois rentrer dans le vaisseau, j'ai pas envie de me prendre un pilote qui sait plus piloter un vaisseau que tirer sur les ennemis. Hop, il faut que je rentre là-dedans. Hop, donc on ralentit. Hop. Hop, et pour atterrir... Oh, ok, d'accord. Ouais, et je descends. Ok. Et c'est parti, mon kiki. On démarre. Oh, je peux me la jouer snipe avec ce truc. Faut que j'aille par là. Ouais, faut que j'aille par là. Ah ah, t'es mort. C'est qui le meilleur? C'est moi. Voilà, il n'y a plus de droïdes. Et de toute façon, dès qu'il n'y en a plus, il y en a encore. Alors, parce que plus on est fou, plus on rit. Ah, c'est bien connu. Meurs. Et je suis derrière toi, patate, je suis pas devant toi. Qu'est-ce que ça peut être con, un droïde? Hop, on recule pour que la porte se referme. Ah, je suis tombé. Meurs. Meurs. Prends sa fumée. Il va péter. désolé, je suis un petit peu bébête aujourd'hui. Ah, je suis un peu en train de mourir là. C'est peut-être pas une impression. Ouais, il faut que j'aille par là. Il y a plein de tourelles là. Avec quoi je vais le tuer? Ah, j'ai un lance-roquette. Oula, toi, meurs. Tiens, lance-patate dans ta tête. Je m'en fiche de mourir. Je ferai ma mission. Ouais, on va faire la mission, hein. Bah vous savez quoi, on va se le... Boum! Je me suis fait tuer. Sniff. DJB, on reprend. On reprend un vaisseau, on décolle et on fonce. Par contre là ça grouille de vaisseau droïde. Hop, allez la brèche. C'est parti, allez. Hop, je viens de gaspiller un chargeur. Enfin, même s'il n'y a pas de chargeur de là-dedans. Hop. Oula. Ah. Bon, d'accord. Alors oui, en haut à gauche, vous voyez marqué Arwes War s'est suicidé. Ceci n'est pas un exercice. Je répète. Tadam. Alors, en fait, les... Dans la première version de Star Wars, parce qu'en fait, bah voilà, les vaisseaux qui rend en fait les arcs 70, donc c'est les vaisseaux dans le vaisseau dans lequel je suis par exemple, c'est les vaisseaux qui ont été faits avant les X-Wing, qui sont le vaisseau que Luke pilote dans l'épisode 4, etc. Oh, il y a mon vaisseau là. Hop, on descend. Hop. Hop, y'a personne. Oh, y'a personne. Ils protègent même pas leur base, ces fumiers. Ça serait bien que j'ai d'autres clones qui viennent avec moi, là. Mais non, vu que je suis Arès. Vu que je suis El Arès, personne ne viendra m'aider.
Headshot. Hop. Je suis suivi, oui, je suis suivi. Hop, une deuxième balle. Boum, gagné. Maintenant, prenez un chasseur et... Passerelle de visée du croiseur. Oui, ok, on y va. Ah, loupé. Donc Time Halo 2, bah il joue sur Code 4 et moi je joue sur ce jeu. En fait c'est un peu le même principe, hein, c'est tu tires sur tes ennemis pour les buter. Donc faut que j'aille par où? Faut que j'aille par là. Non, pas que j'aille par là, faut que j'aille par là. Ah, petit bug. On continue. Oui, il faut que j'aille par où moi? J'aille par là, ok. Faut que je tire sur quoi? Ah, faut que je tire là-dessus. Ouais, c'est ça qu'il faut que je tire. Bon, on reste appuyé sur le bouton. Hop, hein, on mèche le bouton. En fait, je vais péter avec le vaisseau. Je viens de me rendre compte que je suis très con. Tiens, attends, avant ça va s'amuser un peu. Au revoir. Qu'est-ce que ça peut être con, un droïde? On se rend même pas compte qu'on lui tire dessus. Ah, c'est en train de me tirer dessus. Ah ouais, parce qu'en fait, ils savent que c'est un clone à l'intérieur. Ok, on descend. Hop, purée, il y a du monde. Mon dieu. Je vais mourir. C'est la fin de Ares. Un vaisseau, vite, un vaisseau. Tais-toi. Yeah, je vais prendre un vaisseau. Alors c'est un chasseur droïde, ça, c'est très moche en fait. J'aime pas du tout, mais vu qu'il y a que ça en réserve. Hop là. Alors faut que je tire sur quoi? You, loupé, gagné. Ouais, je sais. Ah, ça y est, on a gagné. Bon, Emma, chers amis, je suis très content d'avoir tourné cet épisode avec vous. Je vous laisse et à bientôt. C'était Arwest War. On avait neutralisé leur dernier vaisseau amiral. Le général Kenobi et Skywalker en ont profité pour sauver le chancelier et récolter tous les honneurs.